Eh bien, bonjour. Voilà, ça c'est juste une petite dédicace à une personne qui se reconnaîtra. Voilà, moi c'est Julien Naudin. Hein, j'ai 28 ans, je suis français et je suis étudiant au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Dans cette rubrique, on va parler de musique et plus spécialement d'harmonie. L'harmonie, c'est la discipline qui traite de l'enchaînement des accords. Dans ce premier chapitre, nous allons parler, pour l'instant, d'acoustique, un petit peu d'histoire, du clavier du piano, très important, et de notre système musical. Voilà. Comment s'organise-t-il? C'est ce que nous allons voir. Alors, on commence tout de suite. Oui, il n'y a pas de transition. Hein. Je ne sais pas faire de montage, donc, parce que normalement, vous savez, il y a l'écran qui floute un petit peu avec une petite musique. Non, il n'y a pas ça dans mes vidéos. Non. Non, moi, c'est du direct. Non. Voilà. Alors, c'est parti. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Pythagore, le célèbre mathématicien, a démontré que ce son-là, et ce son-là sont apparentés. En effet, il a trouvé avec un monocorde, donc un instrument de musique primaire, tout simplement une corde attachée en deux points et avec laquelle il a changé l'écart. Il a fait des calculs avec ça en la divisant, voilà, de manière différente. Et il a déterminé que ce son-là, c'est le double en fréquence de celui-là. Voilà, le double de fréquence en hertz. Alors, il ne l'a pas formulé comme ça, parce que les hertz, au temps de Pythagore, ça n'existait pas. Mais voilà, grosso modo, c'est ça le principe. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, parce que ça, c'est de l'acoustique, et je ne vais pas en parler 2 heures, parce que ce n'est pas mon domaine de prédilection. Et puis en plus, je suis nul en maths, donc je ne rentrerai pas dans ces calculs-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que grâce à Pythagore, on sait que ce son-là et ce son-là, c'est la même note. Voilà. C'est ce qu'on appelle le postulat de l'octave. Et c'est très important, ça détermine beaucoup de choses. Alors, oui, effectivement, entre ce son-là et ce son-là, l'intervalle qu'on obtient, voilà, est nommé octave. Mais ça marche pour les autres sons aussi. Hein. Entre ce son-là et ce son-là, parce qu'on va voir qu'il n'y a pas qu'un son en musique, il y en a plusieurs. Hein. Entre ce son-là et ce son-là, c'est pareil. Celui-ci, c'est le double de celui-là. Voilà. J'en prends un autre. Voilà, ça et ça, vous voyez. Nous sommes en présence effectivement de la même note. Voilà, celle-ci est le double de celle-là. L'intervalle entre les deux est également une octave. Ça marche pour tous les sons de notre système. Alors justement, notre système, à partir de cette octave-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on divise l'octave en notes de musique? Et lesquelles on prend? Comment ça se passe? Voilà. Alors là, je fais un grand bond dans le temps, hein, parce qu'on a essayé de tout temps d'organiser cette octave en espace plus ou moins régulier pour faire de la musique. Hein. On s'est pas mal penché sur le problème. On a essayé des trucs plus ou moins heureux. Voilà. Et il faut attendre le 16e siècle pour que un génie flamand qui s'appelait Simon, mais c'est un homme, hein, Simon, c'est simplement que c'est un flamand, donc on prononce pas Simon, on prononce Simon. Donc Simon Stevin, c'est son nom. Ce génie-là a donc découvert enfin, comment diviser l'octave correctement. Il a divisé l'octave en 12 intervalles égaux. C'est ce qu'on appelle le tempérament égal. Bon, c'est un terme un peu barbare pour dire que entre le son 1 et le son 2 du système, l'écart est le même entre le son 1 et le son 2 qu'entre le son 7 et le son 8, qu'entre le son 10 et le son 11. Hein, voilà. Par contre, entre le son 1 et le son 3, ce n'est pas le même intervalle qu'entre le son 3 et le son 4.
Non, il faut bien que ce soit entre le son le plus proche. Hein. Donc 5 et 6, ça marche. 1 et 2, ça marche. 1 et 4, ça marche pas. Non, c'est entre son égal. L'intervalle est donc égal, l'octave, pardon, est divisée en 12 sons égaux. Alors, il y a 12 sons dans ce système et c'est ce qu'on appelle le système chromatique. Si vous jouez toutes les notes à partir d'un son, vous jouez les 12 sons de cette octave, son 1, son 2, son 3, son 4, son 5, son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous avez joué les 12, le système est fini, la gamme chromatique est terminée. Si vous jouez le 13e son, c'est pas le 13e son en réalité, c'est le retour au premier. Voilà. 12 sons, c'est ce qu'on appelle le système chromatique. Mais il y a 12 sons et pourtant il n'y a que 7 notes, 7 noms de notes de musique. Alors comment c'est possible? Et je vais vous montrer le clavier juste après, mais j'avais besoin d'abord de vous expliquer tout ça sans que vous ne soyez gêné par le clavier parce que vous avez besoin de comprendre. Et je ne veux pas vous brusquer dans cette approche théorique de la musique. Alors, 7 noms de notes et pourtant 12 sons. Bon, eh bien, c'est tout simplement que vous allez imaginer une rue. Hein, une rue. Je vous dis qu'il y a 7 numéros. Et je vous dis que dans cette rue, même s'il n'y a que 7 numéros, il y a bien 12 adresses. Vous allez me dire, comment c'est possible? Eh bien, c'est tout simplement que, imaginez qu'on a rajouté des bis. Hein, on peut, ça existe, hein. Un bis, deux bis, tout ça existe. Et si vous en rajoutez quelques-uns, vous allez voir que vous allez les trouver, les 12 adresses. Vraiment. Par contre, le problème, c'est savoir où est-ce qu'on les met sur les 7 numéros. Où est-ce qu'on met les bis? En tout cas, cette échelle-là, cette échelle basée sur les noms de notes de musique, s'appelle l'échelle diatonique. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir. Tout de suite, là, maintenant, je vous montre le clavier du piano. Alors, on a bien un son. Et si j'en joue 12, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a bien joué 12 sons. Si je joue le 13e, c'est le premier. Donc ça, c'est la gamme chromatique. C'est jouer toutes les notes, tous les sons de notre système. Voilà. Et là, je vais vous parler de la gamme diatonique. Alors, en partant de Do, c'est pour ça que c'est la note principale, entre guillemets, si vous partez de Do et que vous dites toutes les notes de musique, donc, il faut les connaître, hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si vous les dites dans l'ordre et que vous montez comme ça du Do jusqu'à la note terminale, jusqu'à la septième note. Eh bien, vous avez joué l'échelle diatonique, pardon. Il faut surtout pas confondre. Les chromatiques, c'est avec toutes les notes. Là, c'est l'échelle diatonique. Diatonique. L'échelle qui a les noms de notes. Voilà. Alors, vous voyez que le clavier est fait de la même façon. Si je prends cette octave-là, hein, vous avez les touches blanches et les touches noires. Et dans les touches noires, vous avez un bloc de 2 et puis un bloc de 3. On remarque qu'il n'y a pas de touche noire après cette touche blanche-là, qui est le Mi. Il n'y a pas de touche noire là non plus après le Si. On passe directement à la première note du système. Voilà. Alors si on se décale, parce que donc j'ai dit que si on jouait 12 notes, vous retombiez à la 13e sur la première. Donc on l'a fait plusieurs fois. Donc la prochaine note est ici. Il n'y a pas de triche. Je m'installe ici. Et j'embrasse à nouveau une octave. Donc j'embrasse à nouveau 12 notes. Ça s'arrêtera là. Voilà. Et bien je vois que c'est exactement pareil. J'ai un bloc de 2 et un bloc de 3. Alors, soit vous comptez les sons, mais on ne va pas faire comme ça parce que sinon on va prendre 3 jours à chaque fois. Vous allez voir que le piano est un instrument très pratique avec donc une géographie similaire à chaque octave. Heureusement, ça va nous permettre de repérer les notes. Et le Do donc est ici. Vous voyez le bloc des deux touches noires. Le Do est ici. C'est la touche blanche qui précède la première note noire du bloc de deux.
Donc si je me mets ici, que je vous demande de choisir de jouer le Do, hein, le Do est ici. C'est la touche blanche qui précède la touche noire, la première touche noire du bloc de 2. Voilà. Alors, à présent, je dois aussi vous apprendre que quand on prend une note, par exemple celle-ci, que les touches blanches ont les noms de notes. Voilà, c'est les touches blanches qui comportent le nom des notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est les touches blanches. Les touches noires n'ont pas de nom. C'est simplement la touche blanche immédiatement inférieure qu'on osse. Voilà. Ou la touche blanche immédiatement supérieure qu'on baisse. Donc soit cette note-là que vous voyez, cette touche noire-là, soit on va l'appeler Ré haussé, parce que cette touche-là est un Ré, donc Ré haussé, ce qu'on appellera Ré dièse, soit ce sera un Mi, Do Ré Mi, donc un Mi baissé, Mi bémol. Voilà, donc vous découvrez qu'une touche, une note de musique, peut avoir plusieurs noms. Alors, quelquefois, c'est un petit peu source de problèmes. Par exemple, si vous avez cette touche-là, donc ça c'est Do, hein, donc cette touche-là, c'est Do dièse, c'est Do monté, ou Ré baissé. D'accord ? Do haussé, Do dièse, parce que c'est la touche blanche immédiatement inférieure. Bon. Ou cette touche-là, donc c'est, ou alors c'est Ré baissé, Ré bémol. Reprenons le Do là. Si je la baisse d'un demi-ton, j'obtiendrai donc avec ce système-là Do bémol. Or, dans notre système, nous avons bien dit que cette note-là, c'est bien, sinon on fait l'ordre des notes dans le. Si on pense l'ordre des notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Hein, donc, par mimétisme Si, je retrouve mon Si ici, hein, cette note là c'est donc Si. Or je vous ai dit que c'était Do bémol, donc on peut se poser la question de savoir, effectivement ça pose problème puisque cette note là qui est pourtant Si peut être Do bémol. Alors acoustiquement c'est pas vrai ce que je dis. Il faut bien imaginer que le Do bémol et le Si en acoustique ne sont pas tout à fait exacts. Mais nous, rappelez-vous, nous sommes sur un instrument tempéré, un instrument accordé à tempérament égal. Il y a 12 demi-tons, donc 12 sons dans ce système, et donc l'instrument est déjà accordé. Nous ne pouvons pas jouer de notes qu'il y a entre cette touche-là et cette touche-là. Nous ne pouvons pas jouer de son entre les deux, car l'instrument est déjà configuré, il est accordé. Mais sur les instruments à intonation modulable, comme le violon, le chant ou le trombone, que sais-je encore, les instruments comme ça, qui offrent donc la possibilité de jouer soi-même les intervalles qu'on désire, vous pouvez faire la différence. Mais nous sommes donc au piano, hein, donc on va apprendre que, comme en harmonie, le Do bémol ou le Si naturel sont la même note. Alors même chose pour cette note-là, le Do, qui peut être donc note blanche inférieure, le Si. Le Do peut être un Si haussé, un Si dièse. Voilà. Alors les étudiants ont un petit peu de mal au début avec les notes blanches qui ont un deuxième nom. Ça ne leur pose pas de problème pour les touches noires. De savoir que cette note-là soit un Do dièse ou un Ré bémol, ça, ils arrivent à l'intégrer. Mais ils n'arrivent pas à intégrer qu'on puisse avoir des changements de nom sur les touches blanches, noms qu'ils ont appris en général depuis la prime enfance. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ils n'aiment pas entendre parler de Si dièse ou de Do bémol. Mais il faut que vous l'appreniez. Hein. En fait, c'est tout simple. Une touche, une note de musique peut s'appeler de plusieurs manières différentes. Alors ce sera toujours un nom proche, un nom d'une note proche. Cette note-là ne va pas s'appeler Fa. Le Fa est ici, hein, donc il n'y a absolument aucun problème, ni Sol, ni La. Ces notes-là sont éloignées. Ce sera toujours des noms de notes proches. Voilà.
Alors, il y a également un autre endroit où je dois vous expliquer. Donc, la Do, Ré, Mi, le Mi, cette touche-là peut s'appeler Fa bémol. Un Fa baissé. Et cette touche-là peut être un Mi dièse. Voilà. Là, vous gagnez beaucoup de temps, hein, parce que là, il y a des élèves qui comprennent ça. Ils ont déjà beaucoup de barbe, hein, comme moi. Mais voilà, moi j'ai eu de la chance, on me l'a bien expliqué. Donc je rends aussi mon... je vous l'explique. Dès la première leçon, vous ne serez plus jamais gêné avec les mi dièses et les fa bémols. Voilà, ça ne pose pas de problème. Hein. Voilà, alors, donc je vous ai parlé tout à l'heure de demi-ton. C'est effectivement le nom de l'atome que nous allons utiliser. Alors, il faut savoir que dans certaines cultures, il y a des divisions de l'octave qui sont plus importantes, hein, qui ont plus que 12 sons. Hein, mais nous, on parle de musique classique, on parle du tempérament égal, donc, qui est le système utilisé en musique depuis l'époque baroque, donc depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est le système majoritaire. Donc on ne peut pas jouer de la note qu'il y a entre les deux, qui s'appelle le quart de ton. On ne peut jouer que des demi-tons. Le demi-ton, c'est l'atome de la musique en musique classique. Voilà. Alors, ça marche dans les deux sens. Hein. Donc, vous voyez là, je monte juste d'une note, c'est la note la plus proche. Hein. Ce n'est pas celle-ci, contrairement à ce que... certains pensent, la note la plus proche, c'est pas la note blanche. Vous voyez que celle-ci est plus proche. Donc le demi-ton est ici. Et ça marche dans les deux sens. Donc cette note-là est à un demi-ton de celle-ci. Celle-ci est à un demi-ton de celle-là. On peut baisser, il n'y a pas de problème. Cette note-là et cette note-là sont à un demi-ton. Voilà. Attention! Entre cette note-là et cette note-là, il n'y a pas un demi-ton. Hein. C'est vraiment la note la plus proche. Ne me dites pas n'importe quoi. Hein, voilà. Alors, ça marche. Ça n'a rien à voir avec la touche blanche et les touches noires. Là, je monte sur la touche noire, mais si je suis sur la touche noire et que je descends sur la touche blanche, là, c'est aussi un demi-ton. Ce qui compte, c'est la proximité, et ça marche partout sur le clavier. Hein, je suis dans le médium. Si je monte dans l'aigu, je me mets ici. Cette note-là est à un demi-ton de celle-ci. Cette note-là est à un demi-ton de celle-ci. Donc ça, c'est le demi-ton. Poursuivons. Je vous ai dit que ça, c'était un demi-ton, et ça aussi un demi-ton. Donc entre cette note-là et cette note-là, il y a bien deux demi-tons. Mais simplification de la fraction, 2 fois 0,5, ça peut s'écrire donc 2 fois 1/2, et 2 fois 1/2, ça fait 1. Donc entre cette note-là et cette note-là, oui, il y a 2 demi-tons, mais on va dire qu'il y a 1 ton. 1 demi-ton, 1 demi-ton, donc entre cette note-là et cette note-là, il y a 1 ton. Voilà. Alors aussi, il y a une confusion aussi on va pouvoir me dire, oui, mais vous n'avez pas joué, quand vous calculez votre distance, vous n'avez pas joué cette note-là. Là, je vous parle de distance théorique. Justement, si on l'a joué, ça ne serait plus la même distance. Hein. Là, c'est bien la distance qui nous intéresse entre les deux notes. Je calcule cette distance. La distance est de 1 ton, même s'il y a une note entre les deux. Ça, c'est le demi-ton qui n'entre pas... en compte dans le calcul, parce que là c'est la simplification, je vous dis 0,5 et puis 0,5, mais après vous allez rapidement faire plus que 1, ça fait 1. Voilà. Après, donc là aussi, hein, ça n'a rien à voir avec la couleur des touches, puisque là vous avez entre cette note-là et cette note-là un demi-ton, entre cette note-là et cette note-là un demi-ton. Si vous faites l'écart entre cette note-là et cette note-là, entre les deux touches noires, là, c'est deux demi-tons également. Mais deux demi-tons, deux demi, ça fait un. Donc l'écart entre cette note-là et cette note-là, c'est un ton. Pareil ici. Là, je monte d'un demi-ton. Là, je monte à partir de celle-ci d'un demi-ton aussi. Donc là, c'est
ces deux notes-là sont à un ton d'intervalle. Un dernier exemple, ici, là, je suis sur cette note-là, donc là, celle-ci est à un demi-ton, celle-ci est à, donc entre ces deux notes-là, un ton. Voilà. J'espère que vous avez bien compris, et ça marche également en descendant, hein. Tout ça, c'est, hein, si je suis là, cette note-là est à un ton d'intervalle de celle-ci. Voilà, et vous voyez d'ailleurs que ça sonne pareil, ça sonne juste un petit peu plus aigu. Mais l'intervalle, de manière absolue, est fixe. Voilà. Alors maintenant que vous connaissez les tons et les demi-tons, et que vous pouvez les déterminer à partir de n'importe quelle note, eh bien nous allons pouvoir apprendre justement la constitution de l'échelle diatonique, l'échelle qu'on a sur les touches blanches. Voilà la formule des touches blanches en partant du Do. Voilà, alors la croix ici symbolise justement le point de départ, et puis ça c'est la distance qu'il faut parcourir. Donc première note de l'échelle, le Do, deuxième note de l'échelle, enfin, vous faites un ton et vous serez sur la deuxième note de l'échelle. En fait, la note est ici. Ça c'est la distance, donc la note est là. Après, à partir de la note obtenue, la deuxième note de l'échelle, vous faites à nouveau un ton, vous arriverez ici, sur une note. Hein. Après, vous parcourrez plus qu'un demi-ton, et puis etc., etc., ton, 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 demi-ton. Et après le demi-ton, vous arrivez sur, à nouveau, la croix, donc la note initiale. Jouez une octave au-dessus. Voilà, faites pause et écrivez-le par cœur. J'aurais dû mettre départ et arrivée. Où vous pouvez mettre d'ailleurs Do et Do, puisque nous allons commencer en Do. Alors, apprenez-le par cœur, hein. C'est donc ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Voilà. Et surtout, ça, c'est pas le point de départ, hein. Parce que ça, c'est une distance, un ton. Donc, la note première ne peut pas être là. Il faut jamais confondre. Il y a toujours une confusion avec les élèves entre ce qu'on appelle les poteaux et les intervalles. Hein. Je vous dis qu'il y a 7 notes de musique. Mais, donc oui, c'est un petit peu comme la guerre 14-18. Hein. Juste un petit exemple. La guerre 14-18 a duré 4 ans. Hein. Et pourtant, alors oui, elle a duré 4 ans en durée absolue. Effectivement, c'est vrai que puisqu'elle a commencé en août 14 et qu'elle a fini en novembre 18, effectivement, ça fait 4 ans. Mais par contre, en année de guerre, il y a bien 5 années de guerre. Donc la guerre 14-18 a aussi, d'une certaine manière, duré 5 ans. Eh bien oui, regardez, 14, 15, 16, 17, 18, ça fait bien 5 ans. Mais ça, c'est un autre système de calcul. Et le fait qu'on puisse calculer comme ça, à chaque fois, une valeur, et puis donc si on change de système, qu'on puisse calculer et trouver une autre valeur, ça pose énormément de soucis à chaque fois, et on a souvent dans les copies des élèves qui ont oublié une étape. C'est le bon résultat, mais il y a un décalage de 1, donc du coup c'est pas le bon résultat. Ils sont pas loin, mais c'est pas ça, quoi. Alors ça, il faut être bien clair là-dessus. Donc le point de départ est ici, et là, ça, c'est la distance qu'on fait. Donc, apprenez par cœur, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. J'applique cette formule à partir du Do. Voilà, alors, le Do, je fais un ton. Donc, ça, c'est un demi-ton, ton. Après, c'est encore un ton. Donc, hop. Après, c'est seulement un demi-ton, la formule. Après, j'ai trois fois un ton. C'est parti. Un ton. Encore un ton. Encore un ton. Et puis ici, comme vous pouvez le voir, vous faites un dernier demi-ton et vous retombez sur la note initiale, le Do. Voilà. Puisque nous sommes sur la touche blanche qui précède les deux touches noires. Voilà. Alors, l'intérêt d'apprendre dès maintenant la gamme, c'est que vous allez pouvoir, à partir de n'importe quelle note, fabriquer une gamme majeure. Hein, puisque cette échelle, l'échelle diatonique, sert à faire les gammes majeures. Il y a deux sortes de gammes,
les gammes majeures et les gammes mineures. Il y en a un petit peu plus avec la modalité, mais ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, pour vous, sachez qu'il y a deux sortes de gammes, et là, nous faisons la gamme majeure. Majeure, ça veut dire grand, hein, tout simplement, ça veut dire ça. En partant du sol, on va dire les notes de musique, et on compte. Donc j'ai dit que ça commençait par un ton. Donc on le fait, on parcourt, et on tombe sur le La. Voilà, deuxième note de l'échelle. Après, il faut faire à nouveau un ton, on tombe sur le Si, très bien. Après, un demi-ton seulement. Donc on tombe ici, sur le Do. Sol, La, Si, Do pour l'instant. Après, trois fois un ton, c'est parti. Donc, un ton, le Ré, un ton, le Mi. Et là, c'est encore un ton. Ah, problème. Donc, et un ton, ben, on calcule par rapport aux touches. Hein. Un demi, un. Donc, il va falloir aller sur une touche noire cette fois-ci. Et donc, ce sera pas, j'ai dit Ré, Mi. Ce sera pas Fa. Ça, c'est pas Fa. Hein. C'est Fa, OC, Fa dièse. Et enfin, le dernier demi-ton pour dire, pour retomber sur la note principale, la note polaire cette fois-ci. C'était Sol. C'était plus Do, on a quitté Do. Et là, le système partait de Sol. Donc vous avez réalisé une gamme en Sol majeur. Voilà. Alors c'est très simple. Pour déterminer le nom de la gamme, c'est le nom de la note de laquelle vous êtes parti et vous rajoutez majeur. C'est vraiment tout simple. Voilà. Alors, il faut bien savoir que les gammes fonctionnent avec les nom de notes de musique. Donc quand vous faites une gamme, vous devez toujours respecter l'ordre des notes de musique. Et nous allons le vérifier tout de suite en partant d'une note plus compliquée, puisque vous allez voir que grâce à cette formule, vous n'avez qu'à la reproduire et vous trouverez toujours la couleur de la gamme majeure. Vous trouverez les bons intervalles, puisque si vous appliquez la formule, vous allez pouvoir appliquer les intervalles qui sont ici, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, vous les appliquez partout, ça marchera toujours. Ça sonnera différemment, ça sonnera un peu aigu, mais le moule sera identique, la perception sera identique. Si on part de, alors voilà, par contre, si on part d'une note compliquée, votre problème, ça va être les altérations. Eh oui, déjà, comment s'appelle cette note-là? Est-ce que c'est Fa dièse ou est-ce que c'est Sol bémol? Alors ça, c'est la partition qui vous le dira. Là, c'est moi qui vais vous le dire. On va dire que c'est Fa dièse. Voilà. Alors, Fa dièse, c'est parti. Il faut appliquer la formule, donc un ton. Donc, Sol dièse aussi. C'est un Sol OC. De même que là, on est parti d'un Fa OC. Là, on part d'un Sol OC. Après, il y a encore un ton. On y va. Hop, donc ça fait La dièse aussi. C'est un La OC. Donc Fa dièse, Sol dièse, La dièse. Après, il n'y a qu'un demi-ton. Donc, on joue un Si. Voilà. C'est une note naturelle. Après, un ton. Donc, on y va. Hop, on retourne sur une touche noire. Et on dit Do dièse. Fa, Sol, La, Si, Do. Pour l'instant, mon ordre des notes est respecté. Il n'y a pas de problème. Après, un ton. À nouveau, donc Do dièse. On monte sur le Ré dièse. Là, il y a encore un ton. Alors, Ré dièse, et ça m'emmène sur le Fa. On a dit qu'il fallait respecter absolument l'ordre. Donc cette note-là, il ne va pas falloir la nommer Fa, on n'a pas le droit. Il faut la nommer Mi OC, Mi dièse. Et pour l'instant, ça correspond avec ce qu'on a, puisque toutes les notes étaient dièse, à part celle-ci. Hein, donc il n'y a rien d'extraordinaire à appeler cette note-là un Mi OC, un Mi dièse. Et enfin, le dernier demi-ton pour retomber sur la note initiale. Voilà. Vous avez donc réalisé une gamme difficile en partant donc d'une note déjà altérée et vous vous apercevez que nous faisons les sept notes de musique de l'échelle diatonique et quand nous arrivons sur la huitième note, c'est la première. Voilà. De même que si on faisait le chromatisme, eh bien celle-ci, ce serait la treizième note. Donc la première. Ces échelles-là sont donc logiques, sont mathématiques. Vous reproduisez la formule et vous tomberez à chaque fois sur la même sensation musicale. Effectivement, si je vous les joue, et puis celle-ci,
nous avons les mêmes intervalles entre les notes. Voilà. Eh bien, j'étais ravi de faire cette vidéo sur la gamme majeure et puis sur les quelques notions d'acoustique. Je vous retrouve tout de suite pour une vidéo à présent sur les accords. Et sur les accords, on va parler aussi d'intervalles à nouveau, hein, parce que les intervalles ont un nom et on va les apprendre. Allez, à la revoyure.